propose de enfin, la délibération numéro 83 relative à l'approbation de la convention de partenariat pour 2024 entre la ville de Nanterre et la Ligue de l'enseignement des Hauts-de-Seine pour favoriser l'engagement des jeunes et leur participation citoyenne. Et donc c'est Emmanuel Fossati qui rapporte. Il s'agit avec cette délibération d'approuver la convention de partenariat pour 2024 entre la ville de Nanterre et la Ligue de l'enseignement des Hauts-de-Seine afin de favoriser l'engagement des jeunes et leur participation citoyenne. Vous le savez, le service civique destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans en cas de handicap a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale en leur offrant l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. Ni stage, ni emploi salarié, ni bénévolat, il s'agit d'un engagement volontaire pour forger la citoyenneté d'une durée de 6 à 12 mois. La Ligue de l'enseignement des Hauts-de-Seine est une association qui contribue à la formation de citoyens libres, égaux et responsables. Grâce à ce partenariat, la ville souhaite renforcer l'opportunité donnée aux jeunes de servir les valeurs de la République par leur accompagnement en service civique. La convention aura pour objet de définir le cadre, la nature de l'intervention et les conditions d'intermédiation proposées, sans but lucratif par la Ligue de l'enseignement, pour l'accompagnement des jeunes en service civique au sein de notre collectivité. Il vous est donc demandé ici d'approuver la convention de partenariat entre la ville de Nanterre et la Ligue de l'enseignement des Hauts-de-Seine et d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention ainsi que tous les actes afférents, y compris ses avenants. Merci.